Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Je vais filmer avec vous le. Je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait pour l'anniversaire de ma fille. Je vous en avais parlé un petit peu sur les précédentes vidéos. Du coup, voilà, je vais détailler avec vous. J'ai pas fait les recettes parce que ça m'a pris trop de temps pour les recettes. Après, si vous les voulez, je peux les refaire. C'est des trucs tout simples. Le gâteau. Les cupcakes, tout ça, toutes les petites choses vite fait quoi, c'est des choses vite fait pour les enfants. Du coup voilà, je vais vous montrer la déco, les ballons, on a mis ça comme ça. Elle a voulu du doré et du rose un petit peu, du coup on a essayé de faire ça. Voilà, on a mis ça comme ça. Après sur la table, j'ai fait des cupcakes que j'ai mis dans des petites caissettes avec des supports, comme vous le voyez. Voilà, et du coup, on est resté dans le thème du rose, du blanc, du doré. Alors voilà, vous le voyez. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. J'ai mis des petites perles de toutes les couleurs faites, rose, violet et blanche, et avec de la poudre dorée par-dessus. Voilà. Des cupcakes tout simples à la vanille et fourrés avec... de la Nutella et mascarpone. J'en ai pas trop mis pour pas que ça fasse trop sucré avec le reste de la crème qui est par-dessus. Voilà, du coup, avec les petits verres, on a mis les serviettes comme ceci. Voilà. J'ai pris des petites boissons que je vous avais montrées la dernière fois, pareil, dans les petites bouteilles violettes. Pour la déco, j'ai juste mis un chemin de table rose, avec des bougies dorées que j'allumerai après, du pop-corn, on a pris des macarons, j'ai fait des petits genres d'apéritifs salés en forme de cœur et d'étoiles, ceux-ci sont au saumon et au fromage frais, et les autres, je les ai laissés nature vu qu'ils sont salés, pour ceux qui n'aiment pas le saumon, des petits bonbons, j'ai pas voulu mettre trop de bonbons, d'habitude, la dernière fois que j'avais fait, j'avais mis beaucoup de bonbons. C'est vrai qu'il mange beaucoup trop de bonbons. Après, je pense que là, ça suffit. Voilà, comme ça, avec le gâteau, toutes les sucreries qu'il y a autour. J'ai fait des mini tartelettes. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, des mini tartelettes avec de la crème pâtissière à la framboise, kiwi et à la pêche. Voilà. C'est très simple et c'est rapide et ça se mange bien. Du coup, pour les petites bouteilles d'eau, je les ai customisées. J'ai juste mis un genre de petit sopalin gris pour couvrir le bouchon. Et j'ai attaché ça avec de la tulle. Voilà. Et après, j'ai mis un genre de bandeau, hein, de bande en satin autour. Par-dessus, j'ai mis du fil... Vous savez qu'on mettait sur les cadeaux là pour attacher les cadeaux roses, voilà. Voilà, pareil pour de ce côté pour les verres. J'ai fait un petit arbre à bonbons que j'ai mis dans ce support en verre. Voilà, c'est du polyester et du coup voilà, ça accroche bien avec les pics en bois, des petits cure-dents. Vous mettez ce que vous voulez. Après, vous pouvez faire avec les bonbons que vous voulez. Là, j'ai pris des chamallows. Et des petites genres de tagada. Continue avec les verrines que j'ai faites avec le spéculoos, la crème et le coulis au chocolat goût cookies. Et par-dessus pareil, j'ai mis de la chantilly que j'ai faite à la fraise framboise et des petits bonbons pareil de la même couleur que j'avais mis sur les cupcakes, voilà. J'ai fait différentes verrines en fait. Et pour le gâteau, j'ai fait un gâteau. L'intérieur, c'est chocolat. Chocolat, on a fait. J'ai fait deux génoises de chocolat et deux à la simple, enfin, la vanille, je sais pas, des génoises nature. À l'intérieur, j'ai mis de la chantilly que j'ai faite moi-même, et j'ai rajouté le coulis de cookies, chocolat cookies, et des Ferrero que j'ai éparpillé un petit peu partout.
au mélange de chantilly. Voilà, du coup, voilà, après on superpose et voilà, après la déco, ça reste à chacun de faire ce qu'il veut. Voilà, donc ça donne ça. J'ai décoré avec des petites meringues sur les côtés, de la chantilly par ici, des petites touches par ici, pareil. J'ai mis un petit bonbon doré, ça c'est pour rappeler le doré, le rose, tout ça. Les petites bougies comme ça, j'ai préféré ces bougies-là, voilà, vu que voilà. Ça change un petit peu le Ferrero, pareil ici. Les petits macarons à la framboise. Les sneakers, c'était voilà, parce qu'elle voulait un petit peu des petites choses comme ça sucrées par-dessus. Le petit Ferrero blanc, voilà, noix de coco. Et voilà, ça donne ça. Je trouve que le rendu est pas mal. Oui, le Ferrero blanc à la noix de coco. C'est pas grave. C'est ma fille en fait qui me coupe à chaque fois. Du coup, voilà, quand vous voyez que je fais des petits bugs comme ça, c'est qu'elle me parle dans l'oreille. Voilà pour les meringues pareil, j'ai mis un petit peu de poudre dorée par-dessus, voilà, pour que ça fasse cet effet-là. Et voilà, avec la déco, je sais pas si j'ai fini avec vous, pareil, j'ai mis des petites bougies roses dorées, des petites choses comme ça que j'avais mis sur la table que j'avais faite sur la vidéo précédente. J'ai pris des petites lettres en bois comme ça avec des les chiffres, du coup j'ai mis